Whoa!
Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir chez vous. Mes vœux les meilleurs. Alléluia. Des bonnes fêtes, mes vœux, n'est-ce pas les meilleurs? Des fins d'année. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de nativité. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien. Bien-aimés dans le Seigneur, ça y est. Nous marchons tout doucement vers la fin de cette année 2021 et nous entrerons, bien aimé, dans quelques jours dans l'année 2022. Nous voulons, bien aimé, que Dieu nous donne le repos dans l'année 2022. Ce que tu as vécu en 2021 ne soit que du passé, soit un témoignage. Alléluia. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta grâce. Merci parce que nous pouvons continuer encore à te faire confiance parce que tu n'as pas changé. Nous te rendons toute la gloire et nous te bénissons pour ton amour et pour ta fidélité au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Voilà, bienvenue dans le Seigneur ce soir. Nous continuons toujours notre texte là où nous sommes en train de parler, bien sûr, du repos, n'est-ce pas? Donc, le repos, bien-aimé, est important. Dieu nous veut dans le repos. Telle est sa volonté, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu veut nous voir, bien-aimé dans le Seigneur, vivre dans le repos, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu veut, bien-aimé dans le Seigneur, que tu sois dans le repos. Le Seigneur veut que nous puissions vivre dans le repos. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, dans sa parole, il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alléluia. « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Bien-aimés dans le Seigneur, il offre le repos à tout le monde. C'est une invitation globale. C'est une invitation générale lancée à tout être, bien-aimé dans le Seigneur, à toute personne, alléluia, ayant soif, bien-aimé dans le Seigneur, ayant soif, alléluia, ayant soif, bien-aimé dans le Seigneur, du repos. Mais si tu es repos, tu veux le repos, viens déposer tes fardeaux à mes pieds. Alléluia. Viens déposer tes fardeaux à mes pieds. Je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Viens déposer tes fardeaux à mes pieds. Tu auras le repos. Je vais te donner le repos. Alléluia. Je veux te donner le repos. Parce que sa volonté, c'est que nous soyons dans le repos. C'est ça la volonté de Dieu. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons y travailler jour et nuit. Seigneur, aide-moi. Aide-moi à entrer dans ton repos, Seigneur. Aide-moi à entrer dans ton repos, Seigneur. C'est là que nous nous reposons sur Dieu, pas sur notre intelligence, notre sagesse, non. Nous nous reposons sur Dieu, je vous assure. Nous nous reposons sur Dieu et sur Dieu seul, bien-aimé dans le Seigneur. Apprenons à nous reposer sur Dieu. Apprenons, bien-aimé dans le Seigneur, à faire confiance au Seigneur, à trouver le véritable repos en lui et en lui seul. Les restes des choses de ce monde, bien-aimé dans le Seigneur, ah, bien-aimé, ce n'est que déception. Ce n'est que déception, je vous assure. Venons à Christ pour avoir le véritable repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau léger. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions entrer dans son repos, que nous puissions entrer dans la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ta relation avec Dieu, le plus important, le repos, c'est notre communion avec Dieu. C'est comme ça, Adam et Ève, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu avait tout fait pour eux. Ils n'avaient que, bien-aimés, entrer dans leur repos, se réjouir avec tout ce que Dieu avait fait pour eux. Et en même temps, la communion avec Dieu était parfaite. J'ai dit bien, la communion entre Adam et Ève et Dieu était parfaite. N'était entachée, bien-aimés, d'aucun mauvais sentiment, d'aucune mauvaise pensée, rien du tout. La communion, bien-aimés, dans le Seigneur était parfaite. Mais le diable est venu les tenter. La tentation, bien-aimés, dans le Seigneur. La tentation, bien-aimé dans le Seigneur. C'est quelque chose, hein. Si on ne fait pas attention, bien-aimé dans le Seigneur, ben, on perd. La tentation. Ils ont été tentés, bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, malheureusement, ça marchait. Mais heureusement, bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau immolé avait déjà été prévu avant la fondation du monde. C'est ainsi que Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, a récupéré la situation. Et que nous, aujourd'hui, nous pouvons parler à cause du fait que Dieu avait récupéré la situation. Et c'est ce qui est arrivé, bien-aimé, aux chrétiens de Corinthe. Lorsque nous lisons l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 10, bien-aimé dans le Seigneur, le verset 10, l'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens de faire très attention. Il commence à voir du verset, il dit, « Frère, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ces rochers étaient Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, et puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impuricité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Et le Seigneur, et le verset 10 du 1 Corinthiens 10 nous dit que « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. » Et le verset 11 nous dit quoi? « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. » Oh là là, ça là, c'est là que les choses deviennent un peu bizarres et compliquées. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses ont été écrites pour servir d'exemple, pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin de ce siècle. Bien-aimé dans le Seigneur, cette exhortation que Paul, bien-aimé, n'est-ce pas, bien-aimé, donnait aux Corinthiens, n'est-ce pas, c'était pour leur dire, appliquez ce que je vous dis. Ne faites pas comme les enfants d'Israël. Ne faites pas comme les Israélites. Il a commencé en disant nos pères. Donc il parlait, bien-aimé, dans le sens, cet auditoire était conçu, n'est-ce pas, bien-aimé, des juifs qui étaient devenus chrétiens et des païens qui étaient devenus chrétiens. Donc les Corinthiens. Il dit donc faites attention. Ce qui est arrivé à nos pères, ils ne sont pas entrés dans le repos. Ils n'ont pas hérité les promesses de Dieu. C'était entrer à Canaan. Le pays où coulait le lait et le miel. Les adultes n'y sont pas entrés. Excepté, bien-aimés dans le Seigneur. Excepté, bien-aimés dans le Seigneur. Josué et Caleb sont entrés. Parmi les adultes, Josué et Caleb
Sinon, le reste, c'était la nouvelle génération. Les adultes, ils sont morts dans les déserts. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ils ont, bien-aimés, vu les bénédictions des dieux. Ils ont expérimenté les bénédictions des dieux. La protection divine. Bien-aimés dans le Seigneur. La direction divine. Ils ont expérimenté tous les bienfaits des dieux, les surnaturels, le miracle. Mais malgré cela, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont été bien-aimés dans le Seigneur, ils ont eu les mauvais désirs dans leur cœur, parmi lesquels, bien-aimés, la convoitise. Alléluia. La convoitise, bien-aimés dans le Seigneur. L'idolâtrie, bien-aimés, ou l'adoration des fausses divinités. L'impudicité, bien-aimés dans le Seigneur. La débauche. Ça, vraiment, c'est vraiment les monstres des désirs. C'est la débauche. Les monstres des désirs. La débauche. Le libertinage. C'était des libertins. Ils pratiquaient les partouzes. C'était des partouzards, bien-aimés dans le Seigneur. Ils faisaient l'échangisme. Plusieurs, bien-aimés, se changeaient de femmes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et aussi, bien-aimés, ils ont tenté Dieu. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Ils ont parlé contre Aaron. Au point, bien-aimés dans le Seigneur, de le soupçonner, n'est-ce pas, de mauvaises intentions. Que Dieu avait une mauvaise intention en nous faisant sortir d'Égypte, c'était pour nous faire mourir dans le désert. Comment on peut donner à Dieu prêter à Dieu des mauvaises intentions? Mais ces gens ont vécu le miracle. Ces gens ont été libérés de l'esclavage, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils prêtent à Dieu des mauvaises intentions. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ils ont mis à l'épreuve la fidélité de Dieu. Ils ont mis à l'épreuve, bien-aimés dans le Seigneur, la patience de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Cinquièmement, n'est-ce pas? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les murmures. Les murmures, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, n'est-ce pas, aujourd'hui, prenons garde aux murmures pour entrer dans le repos de Dieu. Prenons garde aux murmures. Ça vient, n'est-ce pas, bien-aimés, du verbe murmurer. Parler, bien-aimés, à basse voix. Ou bien-aimés, se plaindre. Exprimer son mécontentement, mais à voix basse. Sans pour autant se faire entendre, mais à voix basse. Murmure. C'est bien aimé une parole de mécontentement, mais dites à voix basse. On ne veut pas se faire entendre, mais on le dit quand même. Les fausses accusations, bien aimé dans le Seigneur. Les fausses accusations contre Aaron, contre Moïse, contre Dieu. Comment on peut prêter à Dieu de mauvaises intentions en disant, il nous a fait sortir de là pour nous faire mourir dans les déserts. Il nous a fait sortir de là pour nous faire mourir cette manne bizarre. Cette manne misérable. Ils ont été nourris. Ils réclament les concombres autres. Bienvenue dans le Seigneur. Prenons garde, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur, aux appétits incontrôlés dans tous les domaines de nos vies. Prenons garde à l'impatience, prenons garde, bien-aimés dans le Seigneur, aux revendications inutiles, à la cupidité, à la convoitise, aux mauvais penchants de nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons garde. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Bien-aimés, prenons garde, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, aux désirs insatiables pour les plaisirs du monde, aux désirs insatiables pour le plaisir charnel, aux désirs insatiables pour le plaisir sexuel. Bien-aimés, prenons garde. Prenons garde, n'est-ce pas, bien-aimés, aux murmures, aux mécontentements. Comme ils en ont eu. Bien-aimés, faisons attention de ne pas murmurer contre Dieu. Parfois, on ne le dit pas, mais on le fait quand même.
sans le dire, mais on est en train de murmurer. J'attendais ça, pourquoi Dieu ne m'a pas fait ça, mais se plaindre. Parfois, on se plaint trop. Dieu aurait dû faire ça. Moi, Dieu n'a pas fait ça. Dieu aurait dû faire ça. Il n'a pas fait ça. Je me pose des questions. Pourquoi moi, Dieu m'abandonne? Bien-aimé, prenons garde. Faisons attention, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Au mécontentement. Regardez. C'est ce qui leur est arrivé, n'est-ce pas? C'est horrible. C'est même terrible. Je vous assure. Ils disent, nous voulons rentrer. Où voulez aller où? Non, nous voulons retourner là où nous étions, quoi. Mais quoi? Non. Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des ânes. Nous nous souvenons. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide. Bien-aimés, les murmures, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur, attisent la colère de Dieu. Les murmures attisent la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas nous rendre compte à quel point, bien-aimés, n'est-ce pas, nous attristons Dieu par nos murmures. Alléluia. Et lorsque nous lisons dans 1 Corinthiens 10, nous voyons dans le Seigneur, vers le verset 22-23, nous voyons dans le Seigneur que Dieu, n'est-ce pas, est en train de menacer carrément. Il les menace. Le verset 22, l'apôtre Paul dit ceci. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Vous voyez, n'est-ce pas? Alléluia. Vous voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Alléluia. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Oh là 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 là, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, n'est-ce pas, nous voyons Dieu mettre en exécution, n'est-ce pas, cette menace. De vous avez provoqué ma jalousie, eh bien, vous allez voir ce qui va vous arriver. Dans Nombre 14, nous voyons, bien-aimé, comment Dieu est impitoyable. Il dit, voilà, vous, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Quel sang, bien-aimé, quel degré d'incrédulité, bien-aimé, dans le Seigneur. Malgré tout ce que Dieu a fait pour eux. Bien-aimé, dans le Seigneur, c'est pourquoi il faut faire très attention aux mauvais désirs. Quand, bien-aimé, tu tombes dans le mauvais désir, n'est-ce pas, bien-aimé, ça, le mauvais désir vient étouffer la foi. Le mauvais désir, n'est-ce pas, bien-aimé, vient étouffer la foi. Parabole du semeur. Bien-aimé, le mauvais désir vient étouffer la foi. Excusez. Et ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef, retournons en Égypte. Vous voyez à quel point, bien-aimé, ces gens ont irrité véritablement Dieu. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi eux, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays.
Elle nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyons point rebelles contre l'Éternel. Et ne craignons point les gens de ce pays. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moi, dit à l'Éternel, les Égyptiens l'apprendront, eux, au milieu, eux, du milieu desquels tu as fait monter ce pays, ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui et que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est là à la colère et riche en bonté, il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent et il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. L'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne les verront point. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix. Moi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mon serviteur Caleb. Alléluia. Mon serviteur Caleb. Bien-aimé dans le Seigneur, a suivi pleinement ma voix. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Mon serviteur Caleb a suivi pleinement ma voix. De lui, il entrera dans le pays promis. Mais ceux-là qui m'ont, il dit, ils m'ont méprisé, ça fait 10 fois. Donc Dieu compte le nombre de fois que tu es en train, n'est-ce pas, de les mépriser. Dieu compte le nombre de fois que tu es en train de murmurer. Dieu compte le nombre de fois que tu es en train de murmurer, que tu es en train de te plaindre, bien-aimé, que tu es en train, n'est-ce pas, bien-aimé, d'accuser, bien-aimé, d'accuser faussement, n'est-ce pas, les pasteurs, de toute façon, il n'a pas la puissance, il n'a pas l'onction. Nous, on était là, on a, quand les réunions, c'est les réunions de gloire, la saison des réunions de gloire, là, les gens tombent, les gens dansent, on sent l'onction, là, les gens se roulent, là, les gens tournent, là, les gens crient, et là, les démons sautent, là, ce sont des réunions de gloire. Mais ici, là, la parole, c'est vrai, mais il n'y a rien, bien-aimé dans le Seigneur. Non, non, l'obéissance d'abord. Ces gens ont vu, bien-aimé, la gloire, les bienfaits de Dieu. Ils ont goûté, ils ont expérimenté, malgré cela, bien-aimé. À 10 reprises, bien-aimé, ils ont méprisé Dieu. Dieu compte le nombre de fois que nous les méprisons. Il compte le nombre de fois que tu murmures. Il compte le nombre de fois, n'est-ce pas, bien-aimé, l'océan, que tu es en train, n'est-ce pas, de vivre dans le désordre. Dieu compte. Il compte le nombre de nos péchés, bien-aimé, dans le Seigneur. Bien-aimé, arrête de murmurer. Oh ouais, de toute façon, moi, c'est vrai, j'ai le travail, mais mon salaire à moi, il n'augmente pas. Moi, on me paye ceci, et pourtant, l'autre travaille là-bas, là où l'autre travaille. Lui, ça paye bien. Lui, on lui paye, n'est-ce pas, 20 euros l'heure, et en plus, ils ont les chèques repas. Nous, ici, on a... Arrête de te plaindre. Il y a quelqu'un qui n'en a pas, qui n'a pas ce que toi, tu as. Il n'a même pas le 1 centième de ce que toi, tu as. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer, bien-aimé dans le Seigneur. Ne murmure point. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Alléluia. Bien-aimé, le contentement. Le contentement, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur.
L'apôtre Paul disait aux Philippiens et aux Philippiens, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oh, alléluia! Faites toutes choses sans murmure. Alléluia. Ma soeur, c'est toi qui vas accueillir les visiteurs qui viendront pour notre culte de la fête de nativité. Ah. Oh non, pourquoi seulement moi? Pourtant, ils savent bien que moi, normalement, ce jour-là, mon fils viendra de Paris avec sa copine. Je vais le recevoir avec sa copine. Donc, tu vas mépriser Dieu pour ton fils et sa copine? Tu ne sais pas dire à ton fils et sa copine, allons d'abord à l'église, j'ai un travail à faire à l'église. Mais si c'est le travail, tu vas appeler donc mon fils. Ah, on m'a appelé, hein, malheureusement, on m'a rappelé encore au travail. Mon chef m'a demandé d'être à moi. Tu vois, ça tombe bien parce que bon, ça paye double, hein. Tu vois, les jours de fête, en tout cas, ça paye bien. Là, tu ne te plains pas. Là, tu ne te plains pas. Parce que l'argent, le mauvais désir de ton cœur, l'argent. Mais à l'église, oh ma soeur, est-ce que tu ne peux pas nous préparer? Ah non, 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 non. Non, non, ce jour-là, moi, je ne vais pas faire encore des casseroles. Non, 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 non. Non, 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 non. Moi, je vais assister à mon culte tranquille. Avec des casseroles. Non, 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 non. Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation. La nature de l'homme, c'est de murmurer toujours, se plaindre, exprimer le mécontentement à basse voix. Ouais, mais la présidente là m'a appelé pour faire une casserole, mais bon. Elle ne se rend pas compte que c'est le jour de fête, on a besoin quand même de se reposer aussi, ce n'est pas possible. Bon, j'aurais pu le faire, c'est vrai, bon, nous serons là, il y a des visiteurs, mais bon, les visiteurs aussi, ben, ils n'ont qu'à inviter un traiteur. Hein, voilà, tout l'argent là que nous donnons pour les offrandes, ça part où? Et tu n'as pas parlé à la présidente. Tu lui as pas, tu ne lui as rien dit. Là, tu murmures à gauche, à droite. Et tu es, bien aimé, en même temps, bien aimé, tu es en train, n'est-ce pas, bien aimé, tu es en train, mais n'est-ce pas, de corrompre les autres. Tu es en train d'infecter les autres. L'autre aussi dit, mais moi aussi m'a demandé, ah, c'est vrai, hein, ah, t'es maman. Je vais lui dire aussi, parce que ah, non, non, je vais me reposer aussi ces jours-là. Les murmures, ça corrompt facilement. Faites toutes choses. Dites avec moi, faites toutes choses. Sans murmure ni hésitation. Si vous n'avez pas écouté ma prédication de ce soir, retenez au moins ce verset. Philippiens 2, 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Oh, bienvenue dans le Seigneur. C'est terrible. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte comment Dieu a été sévère avec ces gens? Dieu dit, ça fait 10 fois. Ok, c'est bon. Vous n'entrerez pas dans mon repos. Oh, mais... Et pourtant, Moïse a dit, n'est-ce pas, tu es là, la colère, je vous pardonne. J'ai voulu, n'est-ce pas, les tuer. Mais bon, c'est pas grave. Je pardonne, mais ok. Fini. Ils ne vont pas entrer dans le repos. Caleb, ok, c'est bon. Rendez-vous là-bas. Caleb, rendez-vous. Rendez-vous, rendez-vous là. Dans les pays promis. Tu vas goûter, non seulement toi, ta descendance. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu vis aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu es en train d'assurer le repos à ta descendance. Même quand tu ne seras plus là. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Mais sa postérité m'a dit à son père, tu assures, bien-aimé, le repos à ta descendance. C'est pourquoi tu dois faire les choses sans murmure ni hésitation. Fais gare à l'incrédulité. Fais gare à l'ingratitude. Sois reconnaissant envers Dieu. Pour rien, on murmure. Pour rien, on murmure. L'église, les pasteurs, il a trop traîné. Arrête de murmurer. Arrête. Si tu trouves que, bien aimé, sors calmement. Arrête de murmurer. Ça a trop traîné. Hein. Ah oui, mais tout est. Il a dépassé l'heure. Hein. Mais l'invité aussi, il est venu. Mais qu'il fasse vite parce qu'à midi, on aurait. Arrête, arrête. Sors. Sors. Fais attention. Sors. Avec Dieu, ne joue pas avec. Bienvenue dans le Seigneur, que Dieu nous aide à vivre une vie de foi sans des plaintes, sans des accusations, bienvenue dans le Seigneur.
Oh, voilà, les pasteurs, lui, il est ces jours-là, ils sont partis, ils nous ont acheté un chauffage qui ne chauffe même pas bien. On avait froid avec mes enfants. Moi, je n'irai pas à l'église. Hein. Je n'irai pas à l'église. Non, 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 je n'irai pas à l'église. Je n'irai pas à l'église. Je ne veux pas que mes enfants aient tombé malades à l'église. Ah bon? Ah bon? Combien de gens dans ce monde ici vivent sans chauffage parce qu'ils n'ont pas de moyens? Et toi, tu veux te plaindre? Tu commences à murmurer, à te plaindre à cause du fait qu'il n'y a pas de chauffage à l'église et que si tu emmènes tes enfants là-bas, ils vont tomber malades. Mais qui protège tes enfants dans le chauffage? Bienvenue dans le Seigneur. Je vous parle aujourd'hui, j'ai la tristesse d'avoir perdu un jeune frère. C'était un de nos jeunes frères qui nous suivait, un jeune frère à un de mes amis avec qui on a terminé les études. Un ingénieur, n'est-ce pas? Ingénieur Serge Ilunga. Il est décédé aujourd'hui, il est décédé, n'est-ce pas, d'un cancer de pancréas. Ça fait 2 ans, bien dans l'océan, j'ai appris l'histoire aujourd'hui. Il est allé se faire soigner tous les 2 mois. Il est parti en Afrique du Sud, il faisait la chimiothérapie, mais ça n'a pas été. Et il a plu à Dieu de le reprendre aujourd'hui. Un jeune, bien aimé dans le Seigneur, moi, bien aimé, un jeune, 45 ans à peine. Jeune ingénieur, il est parti, il a laissé la femme et les enfants, trop jeune encore. Et l'ami avec qui j'ai parlé, je l'appelle pour lui dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il est mort à Kinshasa. Il me dit, mon frère, je pense que je peux te dire que j'étais avec, je l'ai vu plus d'une fois. Quand je le voyais, j'ai réalisé que le corps ici n'est rien. Il était méconnaissable. Rongé tellement par la maladie, méconnaissable. Il dit non, non. Et vous savez quoi? Il vient de gagner, n'est-ce pas, un marché pour installer la fibre optique qui tend Matadi, n'est-ce pas, jusque vers Kananga. Un gros marché, des millions. Il a monté une société, ils étaient à deux avec un de ses amis. Il a laissé ses marchés là-bas, des millions. À quoi nous sert la vie? Pourquoi murmurer parce qu'on te dit va à l'église, il n'y a pas de chauffage? Pourquoi ne pas porter les manteaux? Tu mets les manteaux, voilà. Les enfants, ce n'est pas grave, on supporte Dieu, même dans le froid, Dieu est là. Tu apprends aux enfants à aimer Dieu, quelles que soient les situations. À aimer Dieu dans le froid, à aimer Dieu dans le chaud, à aimer Dieu dans la souffrance, à aimer Dieu dans la douleur. Pourquoi murmurer, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi murmurons-nous? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Va à l'église, sers Dieu sans murmure ni hésitation. Sers-le de tout ton cœur. Et vous savez, le verset suivant nous dit quoi? Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Ça, c'est Philippiens 2, le verset 15. Pourquoi vous devez faire toute chose sans murmure ni hésitation? Afin que vous soyez irréprochables et purs. Tu veux être pur? Tu veux être pur? Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tu veux être irréprochable? Pas devant les hommes. D'abord Dieu. Dieu te voit. Et bien sûr le monde. Hein? Et bien sûr le monde. Hein? Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Bien, mais tu veux briller comme les flambeaux, n'est-ce pas? Tu dois faire toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est là, bien aimé, tu vas entrer dans le repos des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Ils sont pervers, ils sont corrompus, mais toi, tu es dans le repos de Dieu. Tu as la paix, la conscience est pure, tu es calme dans ta conscience. Au niveau de ta famille, tu as la paix, tu as le repos. Dans tes relations, tu as le repos avec Dieu, ta communion avec Dieu, c'est une communion, n'est-ce pas, nickel, irréprochable, irrépréhensible. C'est
Ce n'est pas que tu ne feras pas des situations difficiles et compliquées. Non, ça peut arriver. Oh, ce n'est pas parce que tu n'as pas le travail. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les enfants. Ce n'est pas parce que tu as divorcé. Ce n'est pas parce que ta femme t'a quitté. Ce n'est pas parce que ton mari t'a quitté. Ce n'est pas parce que tu es malade, bien-aimé dans le Seigneur. Non! Accroche-toi à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Sers Dieu sans murmure ni hésitation. Peu importe ce que les gens disent. Les gens vont dire, où est son Dieu? Il est au ciel, hein? Et en même temps, il est dans mon cœur. Dernier coup de sifflet. Si toi sur terre, tu crois que tu as tout, c'est pas grave. J'attends le dernier coup de sifflet. Il y aura un jugement. Alléluia. Sers ton Dieu, bénis dans le Seigneur. Sans murmure, tu entreras dans le repos. Caleb est entré dans le repos. Caleb n'a pas murmuré. Caleb n'a pas exprimé le mécontentement. Malgré ce qu'il a vu, bien aimé dans le Seigneur, dans le pays promis, n'est-ce pas? Malgré qu'il y avait les géants. Mais il avait la foi, bien aimé. Marche par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Alors je ne murmure pas. Alléluia. Je ne murmure pas. Ouais, Seigneur, j'ai attendu trop longtemps, ça ne va pas, Seigneur, j'ai comme l'impression, ça ne va pas, voilà pourquoi je vais... Non, fais toute chose sans murmure ni hésitation. Seigneur, je sais que tu es au contrôle de tout. Je puis te faire confiance. Alléluia. Oh, bien aimé, même parmi nous, n'est-ce pas, ne murmurons pas. Ne murmure pas, n'est-ce pas, viens, ton frère, ta soeur. Non, ne murmure, fais toute chose sans murmure d'hésitation. J'accepte le verset. Ne vous plaignez pas les uns les autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voilà. Ne vous plaignez pas les uns les autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, les juges est à la porte, bien-aimés dans le Seigneur. Faisons attention avec les murmures. Nous risquons de ne pas entrer dans le repos de Dieu. Nous risquons même de ne pas voir la paix de Dieu. Les juges est à la porte. Prenez garde, mes frères. Prenez, mes frères, pour modèle les souffrances et les patiences, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. N'est-ce pas, bien-aimés? Ils ont souffert. Mais ils ont parlé au nom du Seigneur. Jérémie a souffert, mais il a parlé au nom du Seigneur. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Allez, venons voir, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne-moi. J'ai murmuré parce que j'ai trop attendu. J'ai murmuré parce que je n'ai pas eu ça. Je murmurais parce que tel a eu ça, alors que lui et moi, nous étions au même endroit. Pourquoi lui l'a eu? Moi, je n'ai pas eu. Je murmurais parce que moi, depuis que j'ai commencé à prier, lui vient à peine d'arriver, il prie, il a ça. Je dois murmurer, Seigneur, parce que pourquoi une telle situation n'arrive qu'à moi? Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait dans ma famille pour mériter ce sort? Je murmure parce que, Seigneur, pourquoi seulement ma famille, des telles situations arrivent dans ma famille? Je murmure, bien aimé, non. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Marche par la foi. Sers ton Dieu. Dans la joie. Alléluia. Si tu as des choses pour lesquelles tu veux dire à Dieu, va devant Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Ouvre ton cœur. Seigneur, regarde ce que je traverse comme situation. Je ne comprends peut-être pas pourquoi, mais toi, tu le sais. Aide-moi, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi je traverse telle situation, Seigneur. Je n'en sais rien, mais toi, tu le sais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Job n'a jamais murmuré, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Sa femme a dit, maudit Dieu, mère. Elle a dit, ouais, tu parles comme une femme insensée. Qu'est-ce qui te prend? Alléluia. Il donne le bien, mais le mal aussi. Le mal, il donne tout ce qu'il peut donner. Il reste Dieu. Tu me pousses à me plaindre? Je ne peux pas me plaindre. Il a donné, il a repris. Que la gloire lui revienne. Bien-aimé, c'est souvent, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le manque, dans les dénouements, n'est-ce pas, que l'ennemi vient susciter, n'est-ce pas, bien-aimé, les murmures, les plaintes et les mécontentements.
Murmurer, bien-aimé, c'est parler l'espace, exprimer son mécontentement à voix basse, en sourdine. Seigneur, aide-nous. Nous allons prier le Seigneur. Oh, notre Seigneur et notre Dieu, bien, nous allons demander pardon, Seigneur. Nous murmurons beaucoup. Nous murmurons beaucoup, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous allons, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Oh, tu as murmuré au sujet de ta santé, au sujet de ton fils, de ta fille, au sujet d'une situation particulière, tu as murmuré. Tu te plains, en réalité. Tu as accusé même faussement les serviteurs de Dieu. Tu as accusé même parfois tes parents. Arrête de murmurer. Ouais, tout ce que nous traversons, c'est notre tante là, c'est une sorcière. Tout ce que nous, arrête de murmurer à ta mère. Crois-tu que Dieu ne peut pas accomplir sa volonté dans ta vie? Pourquoi tu donnes tout le pouvoir à cette sorcière là, même si elle en est une? Pourquoi tu veux mépriser la puissance et l'autorité de Dieu? Bienvenue dans le Seigneur. Arrête d'attribuer, n'est-ce pas, aux gens de leur donner le pouvoir qu'ils n'en ont pas. Dieu, elle est tout puissant. Ils ont dit quoi? Nous doutons de la puissance de Dieu. Nous voulons retourner en Égypte. Nous doutons de la puissance de Dieu. Nous voulons retourner en Égypte carrément. Non. Là, on mangeait. Là, on était calme, malgré qu'on était sous la servitude. Mais ils voulaient voir, bienvenue dans le Seigneur, encore une fois, Dieu, que Dieu s'est manifesté, n'est-ce pas, mais dans la réalité. Alors qu'ils avaient vécu des miracles incroyables. Demandons pardon, n'est-ce pas? Pardonne-nous, Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous voici encore devant toi, Seigneur, notre Dieu, ce soir. Tu es un Dieu de grâce, notre Seigneur et notre Dieu. Tu es un Dieu de pardon, Seigneur. Tu connais nos cœurs. Combien ne nous est-il pas arrivé de murmurer, Seigneur, notre Dieu? Combien ne nous arrive-t-il pas de murmurer, Seigneur, notre Dieu? Nous te disons merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, maître du ciel et de la terre. Tu es au contrôle de tout, Seigneur notre Dieu. Aide-nous, cher Saint-Esprit. Pardonne-moi. J'ai eu à murmurer pour telle situation. Seigneur, je reconnais que j'ai murmuré. Je reconnais que je me suis plaint. Je reconnais que j'ai exprimé mon mécontentement. Comme si tu n'étais pas capable. Comme si tu n'étais pas en mesure de faire ça. Et pourtant, tu es un Dieu tout-puissant, capable de tout, Seigneur. Rien n'est impossible à toi. Seigneur, oh, je te demande pardon, c'est de t'avoir méprisé. Seigneur, je te demande pardon d'avoir donné de la puissance à un sorcier, à un tel. J'ai murmuré parce que dans tel bureau, tellement bloqué, il n'a pas voulu accepter mon dossier. J'ai commencé à murmurer, Seigneur notre Dieu, alors que tu es un Dieu tout puissant. Le cœur de roi est comme un cours d'eau entre les mains de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. Mais j'ai voulu donner de la force à des gens de la puissance à des gens qui n'en avaient pas. Seigneur, tu es pourtant toi, tu es le tout-puissant. Seigneur, c'était tout simplement la manifestation de l'incrédulité pure et simple. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, pardonne mon incrédulité. Pardonne notre incrédulité. Pardonne l'incrédulité de mon frère et de ma sœur. Seigneur, pardonne notre incrédulité. Pardonne notre ingratitude. Seigneur, pardonne nos mécontentements, tendre Père. Oh, nous implorons ta grâce et ta miséricorde. Merci pour le pardon, grand roi de l'univers. Aide mon frère, aide ma sœur, tendre Père. Aide-moi, tendre Père. Aide ton Église à réaliser que tu es assis sur ton trône. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seigneur notre Dieu, nous ne voulons pas murmurer comme les Corinthiens étaient en train de murmurer, alors il a fallu que Paul leur rappelle ce qui s'était passé avec les Israélites dans le désert, à leur sortie en Égypte. Seigneur notre Dieu, ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que, pour notre instruction, n'est-ce pas, aussi pour que nous ne puissions pas avoir de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis et sanctifie ta parole. Oh Seigneur notre Dieu, souviens-toi de mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour le Seigneur. Oh Saint-Esprit, Seigneur, purifie mon cœur, Seigneur. Oh Seigneur, délivre-moi des mauvais désirs. Bien-aimé, que Dieu nous délivre des mauvais désirs. Alléluia. Oui, Seigneur, délivre-moi des mauvais désirs. Seigneur, délivre-moi des appétits. Charnel. Seigneur, délivre-moi des revendications charnelles.
Délivre-moi de la cupidité, délivre-moi de la convoitise, délivre-moi de mauvais penchants de cœur. Oh, mais commence à prendre l'espace, Seigneur, viens nous délivrer. Oh, éternel notre Dieu, viens s'il te plaît, Seigneur. Délivre-moi, Seigneur, délivre mon frère tendre Père. Délivre-nous de tous ces mauvais désirs. Délivre-nous des mauvais, des appétits charnels. Délivre-nous de l'impatience, éternel Dieu Tout-Puissant. Des mauvaises revendications, de la cupidité, de la convoitise, de mauvais penchants de cœur. Seigneur, merci de nous délivrer au puissant de Jésus. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, tendre Père. Alléluia. De bénir mon frère, de bénir ma soeur, tendre Père. Oh, s'il te plaît, tendre Père. Tu es là à la colère, comme Moïse a prié pour les enfants d'Israël dans son intercession. Tu es là à la colère. Tu es riche en bonté. Merci pour ta grâce. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur. Amen. 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 Bienvenue dans le Seigneur, soyez bénis de tout cœur. Alléluia. Soyez bénis donc, nous continuons, bien aimé, notre temps de prière, n'est-ce pas? Notre temps de jeûne aussi, bien aimé, nous jeûnons en mangeant le légume, le fruit, peut-être les féculents, et en buvant de l'eau, les jus, les fruits. Que Dieu, bien aimé, nous fasse entrer dans notre repos. Voilà, bénédiction dans le Seigneur. Donc, tout à l'heure, je suis à la Nouvelle-Jérusalem de Bruxelles à 20h, donc dans 23 minutes. Celui qui veut prier encore, soyez bénis. Sinon, on se voit au réveil des minutes. Sinon, ben, on se verra dès lors comment est-ce qu'on nous sommes dans les mois de prière. En tout cas, que Dieu se souvienne de vous. À vous tous, bienvenue dans le Seigneur. Vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. De tout cœur, merci. Que Dieu se souvienne de vous, de vos vies, et que le repos, bien-aimé, soit un vécu réel. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien. À très bientôt, merci. Soyez bénis. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse le sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. À très bientôt, merci. Que Dieu vous bénisse.